snipe. Où est Gordon? Regardez un peu qui veut se faire cogner. J'ai le matos de toi pour la soirée. Ah non, je crois pas. Espèce d'enfoiré. Ah, et merde. Tu veux le Joker? Prends-le. Aidez-moi à protéger le directeur. On va se faire massacrer. Et ici, ça fait mal. Il a de la force. Vous vous battez bien. J'ai eu une enfance difficile. Fais quoi? Mais ça fait pas de nous des amis. C'est... Il attend. Joseph, ils vont arriver. Vous allez vous en tirer. Où est le Joker? Il est passé par cette porte. Elle mène à la chapelle. Merci. Quelle soirée! Tu viens de tuer, mais tu remets déjà ça, hein? Bane est toujours en vie. Alors, tu vois, ça, c'est nul. Tout ça, toute cette rage, elle est dirigée contre moi. Et pourquoi? Tu sais que si tu me laissais finir mes phrases, tu apprendrais des choses. Et tu saurais qu'on a beaucoup de points communs, tous les deux. Tu pourrais même apprendre des choses à ton sujet. Tu vas apprendre à la fermer. Tu fais tout ça pour toi ou pour moi? Ça n'arrive pas à entrer dans ton crâne vide, hein? Si on existe, c'est grâce à eux! Abandonne! Tu as perdu! Tu aimes bien les sensations. C'est vital pour toi. Allez, Batou, frappe-moi jusqu'à ce que tes poings saignent. Pourquoi abandonner? Tu sais qu'il n'y a qu'un seul moyen de m'arrêter. N'importe lequel de mes hommes l'aurait buté.
L'invité suivant, le stratège politique Dean Snyder, a suivi les événements de ce soir depuis le début, il y a plus de 8 heures. Docteur Snyder, commençons par vous. Quel est votre avis ? Eh bien, Jack, c'est une comédie. C'est la chute ultime du système judiciaire. Un justicier qui nettoie les rues après de nombreux morts et attentats ? Mais qu'est-il donc arrivé à nos forces de police ? Et qu'en est-il de James Gordon ? On ne peut pas dire qu'il est brillé ce soir. Attendez une minute, Dean. Je ne suis pas, comme vous le disiez, un défenseur du GCPD ni du capitaine Gordon. La débâcle de ce soir met en doute son inefficacité. Mais je ne vois pas comment les forces de police d'une municipalité pourraient faire un meilleur travail contre des criminels tels que ce Joker ou les tueurs qu'il a fait venir en ville. Franchement, ces types sont dangereux. Nous n'avons jamais vu un truc pareil. Alors à mon avis, c'est pas la police de Gotham qu'il faut remettre en question, mais l'état de notre pays. Un pays dans lequel les soins psychologiques et le système éducatif sont tellement ruinés qu'ils engendrent des criminels de ce type. Vous soulevez un point intéressant, Hank, mais je me demande ce qu'on fera ensuite. Non, ce n'est pas un point intéressant. Ce sont des salades. Ils ont tous tort. Le problème n'est pas la police ou Batman. Ce n'est pas de l'état de notre nation qui produirait de nouveaux criminels fous dangereux qu'il faut parler. C'est de la chute d'une seule et même institution. Une institution qui, à mon avis, représente la plus grande menace pour Gotham et ses habitants. C'est une bombe à retardement. Si le chaos de ce soir nous a appris quelque chose, c'est que Blackgate n'est pas l'endroit adapté pour accueillir nos plus dangereux criminels. Pas une, mais deux évasions en une seule nuit. Tous les drames de ce soir auraient pu être évités si Gotham avait un établissement de soins pour ses détenus les plus dangereux. Un endroit à la sécurité inviolable, où les hommes les plus violents pourraient être isolés, réinsérés et soignés pour leur maladie. Un endroit comme l'asile d'Arkham. Et après ce qui s'est passé ce soir, je promets aux habitants de Gotham que je travaillerai sans relâche. J'irai voir le conseil municipal, et même le gouverneur s'il le faut, pour faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rouvrir l'asile d'Arkham. Ainsi, nous pourrons dormir sur nos deux oreilles. Il fallait s'y attendre. Quincy Sharp n'impute pas les événements de ce soir à Batman ou au Joker, mais à la prison de Blackgate. Et il demande la réouverture de l'asile d'Arkham. Nous revenons avec d'autres déclarations de M. Sharp et de nos autres invités. L'heure de Jack Ryder continue après ce message. Je savais que tu viendrais, tôt ou tard. Qu'est-ce qui se passe si je ne signe pas ? Tu pourris ici, ou tu travailles pour moi ? La nuit a été longue, Alfred. Pourquoi vous n'allez pas dormir ? N'y songez même pas, monsieur. Pas tant que vous n'êtes pas à l'abri. Bon. Si vous êtes prêt pour la suite, j'ai quelques affaires à boucler. Et j'aurai besoin de votre aide. Comptez sur moi. Et quand vous rentrerez, nous pourrons enfin faire ce repas de Noël que j'ai gardé au chaud pour vous. Pour le petit déjeuner.